Donc, dans une seconde étude, on est à l'autre bout du monde, donc en Nouvelle-Zélande, où ils ont, pareil, ils ont été en magasin, ils ont acheté des oméga-3, donc un peu moins, parce que le néo-zélandais a moins d'argent que l'américain. L'américain est très riche. Donc là, ils en ont testé seulement 32. Et pareil, même critère, oxydation primaire, oxydation secondaire et totox. Donc on va regarder les résultats obtenus par les gens qui marchent la tête en bas. Donc là, ils ont mesuré le niveau de EPA plus DHA qu'ils trouvaient, donc les oméga-3 utiles, hein, en gros, qu'ils trouvaient dans les capsules par rapport à ce qui était affirmé sur la boîte. Donc ça, c'est 100%, donc ce qui est affirmé sur la boîte. Et puis ça, bah, c'est ce qui manque. Alors il y en a qui sont mieux, il y a trois marques qui sont mieux. Alors tu vas me dire, ah, lesquels? Bah, ils lui disent pas. Et trois marques qui sont mieux que, ils font mieux que ce qui a écrit sur la boîte, et les autres font nettement moins bien. Alors tu vas me dire, où sont passés les oméga-3? Eh bien, il le suggère là, grâce à des graphiques statistiques. Évidemment que si il y a un niveau de comment, un totox élevé, forcément que comment. Il y a des oméga-3 qui se sont dégradés, donc ils font la corrélation entre les oméga-3 qui manquent et le niveau de peroxydation, ce qui veut dire que non seulement ça, la peroxydation, enfin le totox, enfin l'oxydation plutôt, pas seulement peroxydation, plus l'oxydation est élevée, plus tu auras d'oméga-3 détruits et plus tu auras de molécules néfastes pour la santé. Donc c'est doublement un manque à gagner pour l'utilisateur des compléments alimentaires qui n'a pas la dose minimum requise pour sa santé, mais qui en plus avale des produits qui sont pas bons pour sa santé. Donc on va pas refaire tous les tableaux, ça dit à peu près la même chose que l'étude précédente, hein. On voit le totox total, donc 25, alors c'est peut-être 25, moi je sais pas pourquoi j'avais 20 en tête. La norme, c'est peut-être 25. Bien que si on m'annonce un totox de 20, j'achète pas. Mais donc la norme, c'est peut-être 25, alors, puisqu'ils la mettent à 25 aussi ici. L'oxydation totale par rapport à ce qu'ils ont trouvé dans les produits. Alors il y en a qui sont méga oxydés et puis d'autres qui restent en dessous de. Donc là, ils sont en dessous de leur Totox. Donc, bon produit. Donc, il y a de tout. Il y a plus de mauvais produits que de bons, par contre. Et puis, ceux qui sont mauvais, ils sont très mauvais. Ceux qui sont bons, on ne peut pas descendre à un Totox négatif, hein. Donc, si on démarre sortie d'usine avec un Totox de 3-4 et qu'on monte en fin de vie à quoi, 15, c'est pas mal, hein. Donc dans la discussion de l'étude, ils comparent leurs résultats avec des études précédentes qui montrent la même chose, que la plupart des produits d'oméga-3 ne contiennent pas les oméga-3 qui sont promis sur la boîte, et qui sont à peu près, ils racontent, qui sont à peu près dans la norme par rapport au degré d'oxydation des oméga-3. Donc on peut dire que c'est pas un phénomène local, mais c'est un phénomène mondial de dégradation des oméga-3. On verra pourquoi après, c'est normal, hein. C'est juste, il faut que le consommateur s'en protège. Donc là, j'ai retenu un article d'un spécialiste qui va expliquer un peu tout ça. Et donc en comprenant le mécanisme, le seul intérêt, c'est de pouvoir s'en protéger et puis de faire le bon choix. On verra que c'est assez simple finalement si on regarde quelques données, de choisir ces oméga-3, des oméga-3 de bonne qualité. Donc la base de la dégradation, de l'oxydation, ou la, comment, ça s'appelle la rancidité en fait en français, mais moi j'appelle ça pourri, c'est plus simple. Donc la pourriture comment la plupart des huiles, enfin des graisses se dégradent, mais évidemment que les polyinsaturées, donc celles qui nous intéressent, en oméga 3, oméga 6, sont celles
vont s'oxyder le plus parce qu'elles sont moins stables. Donc, comment elles s'oxydent? Bah, c'est par rapport donc à l'oxygène, à la moisissure, et on verra qu'il y a d'autres facteurs aussi qui jouent pour dégrader nos précieux oméga-3 dans l'eau. Et donc, ça va causer des processus d'auto-oxydation. Alors là, on a, il récapitule tous les facteurs qui accélèrent ou qui ralentissent, enfin, dont dépend la vitesse d'oxydation. Donc, la température. Plus la température est élevée, plus la dégradation est forte, ce qui suggère qu'il faut mieux garder ces oméga-3 au frais plutôt qu'au chaud. Je dis au chaud parce que dans les magasins, c'est souvent sous les néons. Donc, ce qui suggère que le dernier endroit où faut acheter des oméga-3, c'est en magasin. Le temps, et forcément, on l'a vu sur le graphique, plus on s'approche de la date de péremption, c'est exponentiel la dégradation de la qualité des oméga-3. Alors la lumière, l'eau, et puis des ions métaux, on verra ça un peu plus tard. Bon, je passe sur toutes les techniques, les machins, comment ça se passe à l'intérieur. Ce qui compte plutôt, c'est quelles sont les applications pratiques que nous avons à en tirer en tant que consommateurs. Alors, il y a un détail technique qui est important, c'est que quand les oméga-3 vont s'oxyder, il va se dégager une odeur, mais il explique que comment avant que nous, avec notre nez, on puisse détecter une oxydation rien qu'à l'odeur, il va se passer un peu beaucoup trop de temps. On n'a pas l'odorat assez fin pour détecter une oxydation même assez conséquente. Bon, si vraiment ça pue, ça pue, ça pue, faut mieux mettre à la poubelle. Donc, comment mesurer scientifiquement l'oxydation? Bah, c'est ce qu'on a dit, hein, oxydation primaire, oxydation secondaire, et il dit que le plus important c'est Totox. Alors il donne la formule Totox pour les scientifiques, donc c'est l'oxydation secondaire plus deux fois l'oxydation primaire pour les matheux, mais bon, ça me parle pas. Mon Totox, c'est plus facile à. Donc Totox, plus il est élevé, moins c'est bon. C'est ça qu'il faut retenir. Plus la note est basse, meilleur. Enfin, il y a moins d'oxydation et meilleur est le Totox. Donc après, il nous explique comment. Qu'il y a des moyens de faire que. On freine l'oxydation. C'est normalement il n'y a pas d'oxygène dans nos gélules. Évidemment, dans les liquides du genre huile de foie de morue qu'on boit comme ça, il n'y a pas de protection. Donc il dit qu'on peut mettre des antioxydants pour retarder l'oxydation, mais que les meilleurs antioxydants pour ça, ce seraient des antioxydants synthétiques, alors qu'on trouve plus volontiers des antioxydants entre guillemets naturels, parce que c'est de la vitamine E, souvent c'est pas naturel, mais il dit que c'est loin d'être aussi puissant que les antioxydants synthétiques. Mais évidemment, qui voudrait d'un antioxydant synthétique dans ses oméga-3? Donc, le problème reste insoluble. Le problème de la vitamine E, c'est que c'est efficace, mais c'est pas efficace longtemps. Donc, c'est ça qui fait que bah, dans le temps, ça va se dégrader, même s'il y a de la vitamine E pour protéger. Donc j'avais déjà fait une vidéo sur les oméga-3, donc je vais pas répéter la base, mais ce qu'il faut savoir, et donc pour résumer. Comment les oméga-3 ont depuis la fabrication une durée de vie d'environ 2 ans. Donc, quand on regarde comment savoir quand ils ont été fabriqués, ben on regarde la date limite de vente et puis on remonte 2 ans en avant. Donc plus on a vu que plus on est proche de la date limite, plus faut éviter. Donc, la combine, ben, c'est d'acheter les lots qui viennent de sortir. Et qui viennent d'être fabriqués, au lieu d'attendre perpète pour commencer à en acheter. Au moins, même si tu les gardes longtemps, tu les mets au frais et tu sais dans quelles conditions ils auront été conservés.
Dans les magasins, j'ai jamais vu des magasins de compléments alimentaires où ils les mettaient au frais, bien que, comment, si ça existe, ce serait un gage de qualité vis-à-vis du consommateur. Donc, nos amis qui ont des frigos, au lieu de mettre des shakers de protéines, poussez un peu et puis mettez vos oméga-3, et puis laissez un pot vide ou deux en rayon et dire aux gens qui sont frais, au frais, à l'abri de la dégradation. Mais de toute façon, il y aura toujours une dégradation, simplement elle sera plus lente comment, au frais qu'au chaud, forcément. Donc c'est la première règle, les conserver au frais, à l'abri de la lumière. Si vous achetez des grosses quantités, vous prenez votre pot avec les grosses quantités, vous reprenez un petit pot et vous transférez au fur et à mesure une centaine de gélules dans votre plus petit pot. Comme ça, vous n'avez pas à ouvrir votre gros pot, puisqu'on a dit que la lumière était un des facteurs d'accélération de la dégradation. Donc, un paramètre important, évidemment, faut connaître Totox. Mais le problème de Totox, c'est qu'on va vous le donner sorti d'usine. Donc, faut mieux qu'il soit moins de 10 réellement, même si l'industrie accepte qu'il soit jusqu'à 25, parce que plus on part d'un Totox haut, plus il va s'élever dans le temps, parce qu'on a le Totox figé à la fabrication, et après il va lentement augmenter inexorablement. Alors donc la vitesse dépendra de vous, donc du stockage. Mais donc autant commencer avec un Totox bas, je dirais dans les 5-6 maximum, et puis acheter dès que ça a été fabriqué, puisque le Totox va, c'est pas un nombre fixe, il va se dégrader avec le temps. Le Totox aussi, il va changer suivant les lots, suivant les périodes de fabrication des oméga-3. Donc c'est pas si on vous donne un Totox qui est vieux de il y a 10 ans, il est plus bon. Il faut le Totox sur le lot que vous achetez, puisque d'un lot à l'autre, même sur un même fabricant, le Totox il va varier. Donc alors comment on a le Totox? Bah, normalement le fabricant, enfin oui, le fabricant lui va le calculer de toute façon, donc il va le donner au revendeur. Donc suffit de le demander au revendeur, et s'il veut pas te le donner, bah t'achètes ailleurs, c'est tout. Parce que si le Totox est Totox Mystère, t'as deux solutions. Soit il est super bon et les mecs veulent pas humilier la concurrence, soit il est pas bon. C'est toi qui imagine la réponse. Je te laisse. Donc on a dit éviter les fins de lot, éviter les oméga-3 aromatisés, éviter les oméga-3 sous forme de bouteilles, même si c'est moins cher, parce que forcément que c'est plus cher en gélules, mais ça se conserve pas bien en version liquide. Donc voilà, en gros, tout ce qu'il faut dire sur la qualité et la conservation des oméga-3. Un dernier détail, les oméga-3 sous forme triglycéride se conservent mieux que les éthylesters. Et là, pour cette différence, je renvoie à ma première vidéo, donc qui s'appelait Supplément d'oméga-3, éviter les pièges. Donc si cette vidéo vous a plu, merci de nous soutenir en achetant nos livres. Donc pour tout savoir sur les compléments alimentaires pour sportifs, aux éditions Vigo, Frédéric Delavier et Michael Gundil. Et puis si tu fais de la muscu, le meilleur livre de musculation que tu puisses trouver. Alors il existe aussi en anglais, mais les méthodes de Delavier de musculation, le tome 2 c'est le plus avancé, et le tome 1 c'est le premier si tu débutes, ça c'est pour les gens qui sont un peu plus avancés. Donc merci d'acheter nos livres.